classement, il est plutôt bien. Alors, on a une dernière personne qui s'est inscrite, qui est Lumi. Et après, on aura fini sur le Discord. Donc, on verra si derrière, on complète un peu avec, avec d'autres gens. Si j'ai jamais des gens dans le chat ou quoi qui sont pas inscrits. Ou si les deux derniers qui ne sont pas venus au début se connectent. Donc, on va aller chez Lumi. Ah, bah, je crois qu'il n'est pas connecté. Ah non, il est déconnecté, Lumi. Ah, bah, non, bah, rip. Bah, alors, Lumi. Tristesse. Il est déconnecté. Ah, c'est un I. Ah, pardon. Ok. Ah oui, exact. Yumi. Pardon. Yumi. Attends, déjà, je change. Oh, God. Au secours. Où est-ce que j'ai atterri? Où est-ce que j'ai atterri? Je ne sais pas. Alors, attends, on va voir. OB Info, ils sont... Waouh, il y a beaucoup de gens, là. Oh! Ok, on est sur une dinguerie. On est sur un truc énorme. Là, il y a énormément de prestige. Oh. Ok, je sens qu'on va avoir un énorme truc là. Ah, mettez-moi un fly, les mecs. Mettez-moi un fly, on visite ça. Je veux pas voir. Je veux pas voir, mais juste là où ils en sont. Juste là où ils en sont, ça m'a l'air d'être. L'air d'être une dinguerie. Est-ce que je peux fly? Ouais, c'est bon, je peux fly. Bon, vous êtes prêts? Ok, un toit. Oh, putain. Les gars, on peut faire une cité cet été ou pas? Même pour Noël, genre, vous mettez de la neige. On peut faire une petite cité, genre, franchement. Hein. Là, tu mets le classement. Là, tu mets les habitations. What the fuck, les mecs? Mais attendez, on va en avoir pour une heure à tout visiter. Ça me va, hein. Mais attendez, où est-ce que j'ai spawn? Waouh. La cité du ciel, c'est ça. Attendez, par où je commence, là? Où est le début? C'est là, le début, non? C'était là le début. Waouh. Ah, c'est alors là. OB Warp Yumi pour le début. Ok, attends. Ok, nice. Ah bah c'est là où j'étais. Ok. Ok, donc les infos qui remontent des infos, c'est une map aventure. Pour acheter une maison, non mais c'est vraiment ça. L'usage de logiciels de site durant un event, un report. Incroyable, franchement, vous avez fait un truc de fou là. Waouh. Il y a des petites cachettes un peu partout dans l'île. Ah bah alors là, je vais pas vous mytho. C'est tellement incroyable ce que vous avez fait, mais je pense que même en une demi-heure, j'ai pas le temps de tout voir là. C'est incroyable ce que vous avez fait. Oh, information. Bienvenue sur Turtle Paradise. Information. Spawner. Vous avez à votre disposition des spawners complètement gratuits pour vous y retrouver. Mais putain, mais c'est la mafia du cerf. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour vous y retrouver, allez dans la pièce marquée avec des bannières mob. Vous trouverez de même, en dessous de cette pièce, les spawners à animaux. Profitez. Villageois. Baladez-vous dans la cité à la recherche des villageois. Vous voyez, c'est une cité. Des villageois du serveur. Les échanges sont disponibles avec eux, donc profitez-en vite. Maison. Le plus intéressant de l'île, vous pouvez devenir propriétaire d'une maison. Et vous pourriez ensuite créer votre propre My Shop dans celle-ci. Mais attention à bien respecter... C'est un serveur sur le serveur. Ils ont broqué le truc. Attention à bien respecter le règlement qui vous sera donné dans les pages à suivre. Dans votre maison, vous pourrez faire de la publicité pour la vôtre. La décorer comme bon vous semble. Et veuillez respecter si possible les thèmes de la cité. Passons maintenant aux règles pour le My Shop. Vous n'avez le droit de faire concurrence au shop des autres de l'île. Nous vendons principalement des blocs de construction et les minerais. A vous de vous occuper de ce qui reste. Exemple, balise, tête de Wither, livre enchanté, etc. Règle de My Shop, veillez dans la mesure du possible. Respectez la distance de deux blocs entre vos barils. Pour une lisibilité facile de votre My Shop. Incroyable. Event. Nous organisons régulièrement des events sur l'île. Pourquoi j'ai pas été invité encore? Pourquoi Diakarma lui m'a invité, les mecs? Alors, vous pouvez devenir un associé. Vous auriez sûrement la chance de procéder gratuitement ensuite. De posséder gratuitement. On a ensuite une maison. J'ai du mal à lire, je suis fatigué. This event, cache-cache, un guerrier, chasse au trésor, question, recherche d'objets. C'est incroyable. C'est fou. Bon, les mecs. Je peux même pas tout voir, mais c'est incroyable. C'est.
Est-ce que j'ai le droit de faire une remarque, mais sans que les mecs du serve le prennent mal? Votre île est plus belle que le spawn du serve. Votre île est plus belle que le spawn du serve. Enfin, je trouve, hein. C'est incroyable. Je vais me faire ban. Incroyable. C'est fou, c'est trop bien. Mais les mecs, mais vous voulez pas faire une mini cité one block, genre, là? Ah, vraiment. Moi, je vous la casse, hein, y a pas de problème. Hein. C'est incroyable. Vous avez tout, là. Je pense que vous me faites un petit château, là, là-haut, là, vous me faites... Et puis c'est réglé, hein. Incroyable. Prix maison. Ah non, c'est... Lis ton chat, MC. Le Fonda te parle. Gabi en PLS. Il y a plein d'autres îles qui vont arriver. Incroyable. Il est où, Gabi? Pourquoi je vois pas? Il est pas quoi? Elle est en vacances. Ah, tristesse. Non, mais c'est, j'avoue que c'est super beau, là, ce que vous avez fait, c'est... Gabi, c'est la buildeuse du spawn. Non, mais le spawn est très beau. On rigole. On va retourner voir le spawn après. On va noter le spawn aussi après. Non, mais en fait, ce qui est surtout de fou, c'est que là, c'est des joueurs. C'est des mecs qui, genre, sont comme moi, quoi. Genre, ils sont partis de rien. Je rappelle qu'au début, il y avait un seul bloc. Après, ils sont 150 sur leur île aussi. Moi, je suis solo. Si j'avais pris Nat, c'est tonton, on aurait déjà un palace, mais bon, voilà. Mais justement, j'avais envie d'avancer tranquille, quoi. Mais par contre, c'est fou. Style plus belle que le spawn quand même. Abusez pas. Par contre, ça ressemble un peu au spawn. Je trouve ça incroyable. Franchement. Et c'est la dernière qu'on visite en plus. C'est la dernière de la liste. Genre, tout était prévu limite. J'ai pas le fly moi. Et tu l'avais pas non plus sur Deep Down, ça t'a pas empêché de faire des bons trucs. Ah ouais, d'accord, mais... En fait, genre, voilà, je vous le dis, je vous annonce. Alors voilà, vous me demandiez, bon, qu'est-ce qui se passe sur Minecraft, là, ces prochains temps? Alors, globalement, ce que j'ai prévu, c'est que pour Halloween, là, vous allez avoir une petite cité, voilà, ok, ça vous va. Puis après, on est en train de vous préparer une nouvelle carte Skydef, tu vois, qui est en train d'arriver, là, elle est en train d'être build. Tout va très très bien, franchement, vous inquiétez pas, la fin d'année est plutôt bien prévue, hein, franchement, pas de soucis. F3, regarde, siffle l'accord Y, 221. Parce que maintenant, c'est plus haut, ça. Incroyable. Incroyable. Non mais... Oh, mais franchement, par contre, on dirait tellement la cité des éléments, ça. C'est un peu le même genre de bloc qui était utilisé sur la cité des éléments. Ou la, même la cité des nations. Enfin, les deux, en fait. Non, surtout la cité des nations. Ça fait très cité des nations, un peu, ces tours, comme ça. Ah, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a 250 blocs dessous. Dessous. Non, c'est du second degré, William. C'est du second degré. Je suis désolé, ils viennent de gagner un nouveau point là. Là, c'est pas possible. Comment ça, il y a un truc en dessous qui. Comment ça? Mais comment ça? Mais comment ça? Comment ça, les mecs? Mais quoi? Mais... En fait, tout ça, c'est leurs ressources, de ce que je comprends. Qui leur ont permis de construire en haut le... Ouais, tout ça, c'est leurs ressources.
Oh là là. Oh, Skygrid, le retour. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de Skygrid. Alors on va essayer de monter de 4 étages pour essayer d'atteindre cette source d'eau là. Ça me permettrait de me faire un petit camp. Voilà, petite source d'eau infinie qui me permettrait de faire mes premiers champs sur ma petite île, voilà, qui est juste derrière. C'est Skygrid, on est dans Skygrid. Incroyable, Skygrid, je n'ai jamais fait de Skygrid, et ben voilà. Skygrid est là. Skygrid... Non mais les mecs, genre, enfin, je veux dire... À quel moment ils ont pu faire ça? À quel moment les types ont fait ça? C'est hallucinant. Pendant... Non mais là... Et voilà, il a cassé le timer. Il fallait pas? Shit. J'ai tout cassé? Merde, là j'ai vraiment tout cassé, je crois. Oh non, j'ai détruit. Voilà, avorté, l'île est finie. L'île est finie à cause de moi. L'île... Avorté, faut tout refaire. J'ai tout niqué. J'ai tout pété, ça y est, c'est fini. Ah, j'ai eu un... Attendez. Je le fais revenir parmi ses congénères. Non mais... Il y a des choses encore à voir là ou... Qu'est-ce qui build comme ça là? Mais... Oh, regarde ça là, regarde cette optimisation. Bam, là il y a de la bonne mille qui est reposée. Instant, là maintenant. What the fuck. Mais la génération. Là c'est quoi ici? Oh là là, c'est quoi ça? C'est pour des 6 cactus, je sais pas quoi. Mais t'imagines? Je vais aller voir le trigger, je vais aller voir. T'imagines? Moi, ouais, les coraux, pardon, ouais, les coraux. Moi là, qui ai été qui me suis fait comment dire, backup de 2 heures mon île. Mais eux, tu te fais backup de 2 heures C'est tellement incroyable. Alors le trieur. Non mais le trieur. Ouais, alors j'y connais rien en trieur, donc je vais. Ah oh, putain, il y a ça aussi. Je vais même pas vraiment pouvoir vous dire, mais Non mais les types quoi. Oh là là. Ça va prendre des années, mais je sais pas quoi. Vous arrivez à savoir Yumi, combien vous avez d'heures de jeu ou pas? Genre déjà individuellement, mais genre, vous arrivez à estimer combien d'heures de jeu vous avez tous cumulés, genre là? Il va me dire, ouais, 10 heures, pourquoi? Non, pour rien. Bah déjà, toi, genre simplement dans tes stats, ça te dit ou pas? Quand tu vas dans tes stats, ça te dit combien de jours t'as joué ou pas? Attends, c'est où Je sais plus où c'est, mais... Général, voilà. Moi, j'ai... Non, sneak time, non. Time play. Et encore, non, moi, je suis un peu plus parce que... En vrai, on avait été à plus que ça, mais on avait vu que les premières heures n'avaient pas été prises en compte. Moi, j'ai 4 jours et 9 heures. 3 jours et 8 heures, ouais, d'accord. Bon, ok. À partir de là, tu comprends, quoi. Oh là 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 là. C'est tellement beau, cet endroit, avec le shader. Oh là là. 4 jours, 8 heures. Oh la vache. Alors, mais. C'est psychédélique le truc. Je rappelle que le serve est ouvert depuis mi-juillet. C'est tout. On rappellera que le serve est ouvert depuis mi-juillet. Comment je sors de là? Par là. C'est... J'ai l'impression de...
On va faire la compète avec eux en termes de farm, on s'équivaut, je pense. Mais t'as une île là, tonton? Je peux venir voir ton île ou pas? T'es sur le cerf? Et je rappelle juste qu'il y a ça là-haut. Hein. Moi, je viens de commencer. Non, ouais, je parle de farm en général. Ouais. Mais vas-y, Nat, fais voir ton île! Non, mais ça, quoi, ça. Incroyable. Un dessous de l'île est prévu si jamais. Oh, vous êtes chauffé, putain. Moi, sur Celestia, j'ai jamais voulu faire ça. C'est Orlox qui avait tout fait. Oh la vache. Oh, il y a un jump et tout. Mais attends, mais c'est. Est-ce qu'il y a une vraie inspiration Cité des Nations ou c'est un pur hasard? Parce que vraiment, ça ressemble beaucoup quand même. Hein. Et c'est pas un mal, hein, si c'est le cas. Parce que le build était magnifique. Oui, ah, on est d'accord, il y a quand même une grosse inspi, on est d'accord. J'allais dire, putain, c'est fou, ça me rappelle tellement. Mon île, c'est une traînée de dirt, quoi. Ah, ok. J'ai commencé du live. Ouais, ok. Pour les couleurs, on est d'accord, de fou, hein. Les couleurs, ouais, c'est les couleurs qui me rappellent ça, en fait. C'est les petites, même les coupoles, enfin, je sais pas comment dire, mais ouais, les toits un peu ronds, bleus, quoi. Ouais, carrément. Carrément. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai loupées ou pas? Et alors là, il va y avoir quoi? Un truc totalement à part ou c'est la suite du village ici? Oh, regardez la descente là et tout, comme ça a été fait. Ah, mais il y a un chemin là. Des îles à thème. C'est la suite du projet, ok. Donc, genre, ça, c'est l'île principale. Et là, vous démarrez une autre île à côté. En même temps, l'île principale. J'ai envie de dire, elle est. Enfin, je sais pas si elle est finie, mais en tout cas, elle est bien avancée quand même. Oh là là là. Il y en aura plusieurs. Ok. Non, mais attends, il y a qu'un. J'avais pas vu, attends. Y a... Excusez-moi. Ils se sont fait chier à foutre de l'eau, là. Genre, ils se sont fait chier à faire une rivière. Et vous avez démarré ça quand? À l'ouverture? Ou après? Vous savez quand vous avez démarré ça? Projet de build il y a un mois. Mais genre avant vous aviez fait les usines et tout? Ou genre vous avez démarré toute l'île il y a un mois? On se dit après c'était les vacances. C'est vrai que si vous y jouez tous les jours en vocal et tout ça peut avancer en fait. Avance compliqué. Ok. Bon on va dire globalement un mois quoi. Putain la vache. Incroyable. Et bah fera un chemin. Incroyable. Bon bah écoutez, vraiment. En plus ça fait full event cache-cache sur. Mais franchement invite hein. Invite hein si tu fais des trucs, moi je suis chaud hein. Genre moi j'avance mon île et tout, mais genre en vrai pour varier des fois mes streams, moi si tu veux faire des petits events et tout, moi je suis grave chaud hein. Ça peut être rigolo hein. Ça peut être sympa de faire des petits events de temps en temps avec les autres joueurs. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, qu'est-ce qu'il va me montrer? Oui je suis là. Ouais, on a nos vainqueurs, mais après c'était pas une compète, hein. C'est vrai que c'est incroyable. Ah merde, attends. Attends, vas-y, recommence. Et ça sert à quoi, je comprends pas. C'est une petite prison. C'est une petite prison ici, de ce que je comprends. C'est pour les cache-cache. Ah ouais, de ouf. Ah, vous avez d'autres trucs comme ça ou pas? Vous avez d'autres cachettes ou pas? C'est incroyable. Beaucoup, d'accord. Ah, oh, j'aime trop. Ah ouais, c'est trop bien. Il voulait te séquestrer, c'est ça. Ah, c'est incroyable. Vraiment là, il demande tes pensions Zartox. Incroyable. Et là, il m'enlève les droits. Ah ouais. Bon, après, ceci dit, comme t'as des boutons, on pourrait se dire, ah, tiens, c'est peut-être là. C'est genre sa vie en fait.
Tu vois ce que je veux dire? Genre, on voit que c'est. Oh non, mais les mecs! Waouh! Où sont les pistons? Je sais même pas. Je sais même pas où sont les pistons, mais c'est complètement fou. Oh! Une petite ferme! Avec un petit moulin! J'ai piétiné un truc là? Non, non, ça vaut. C'est insolent, vraiment. Ah ouais, là, incroyable. Putain, je sais pas pourquoi je baille. Chien. Ah, ça, je reconnais, c'est One Piece. Mec, chien. Bah oui, totalement en plus. Totalement. C'est totalement ça. C'est totalement ça. Moulin du fermier. Oh là 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 là. Ouais, bon, mec. Le duo Octo. Le duo Octo. Gloire du Octo. Ouais, bah écoutez les gars, voilà. C'est un petit peu fou, hein, j'ai envie de dire. Allez, on s'enlève ça des yeux. Navré, je vous retire ça de la gueule. Terrible, 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 terrible. Bah franchement, GG. C'est quand même assez incroyable, je trouve, ce qu'ils ont fait. C'est quand même assez fou. Alors attends, Bichard, il est où Bichard? Il est toujours pas revenu, Bichard. Il m'a répondu, Bichard, ou pas? Il m'a pas répondu. Il n'a pas répondu, tristesse. Tristesse, tristesse, tristesse. Il n'a pas répondu. Je comprends pas ce qui s'est passé avec le slow, hein, vraiment. Hein. Je l'ai pas libéré pourtant. Je sais pas pourquoi il s'est. Il s'est échappé. Je vous jure, quand j'ai rebuild tout à l'heure, il était là. Donc je sais pas. Ça, c'est à peu près fidèle, je crois, même si je suis pas sûr que ce soit centré de ouf, mais. Limite à MP in-game. Pour les events, ou puis-je te contacter? Ah, j'avoue, merde. Est-ce qu'il y a quelqu'un. Il est là, Blazer, ou pas? Parce que Blazer, il avait. Il avait. Comment on appelle? Il avait récupéré les trucs de Diakarma. Et c'est vrai que ouais, j'avais pas pensé. Ouais, j'ai vu le chat Minecraft. Je vais voir avec les modos au pire. Je pense que j'ai un modo qui te contactera. Si t'es sur le Discord de OneBlock, au pire, ou au pire je t'ajouterai, ou enfin on va trouver, t'inquiète. Il peut nous MP. Ouais, voilà, ou tu peux MP les modos, y a pas de problème, ouais, carrément. MP Discord sinon. Ouais, voilà. Au pire, ouais, carrément. Carrément. Carrément, carrément. Mais c'est trop. Trop stylé, quoi, franchement. Alors bon. Notre petite île à nous, hein? Bon, qui du coup n'a pas la même tête, mais qui est quand même jolie. Je trouve. Hein. Notre petite île à nous qui est quand même jolie. Alors attendez, comment on le nomme, le panda? Comment on nomme le panda? On lui avait donné un nom au panda ou pas? Faites des propales de noms, là. Non, pas Pandarou, non. Kero! Bien sûr, après être un perroquet, Kero devient un panda et ça lui va extrêmement bien parce que Kero dort énormément. Enfin, plus trop ces derniers temps, mais de base, il dort énormément. C'est connu pour être un petit ours. Sachez que je suis parti en vacances avec Kero il y a 2 ans. Bah, des fois, on était en mode. Il est où Kero? Puis il dormait. Mais genre à 15 h. Mais genre, il se levait, puis il allait se recoucher, tu vois. Genre, c'est un ours, il hiberne. Ça lui va bien. Et non, vous l'avez vu sur la chaîne, Kero et tout, vous voyez, c'est un gros nounours. Finalement, Kero, qui du coup montra d'ailleurs cette rediff et qui, là, aura forcément un petit sourire en coin en mode Kero, elle est pour toi celle-là, mon ami. Comme dirait l'autre. La sieste est dure depuis qu'il gère la chaîne secondaire. Ouais, le pauvre, hein, en vrai, vous vous rendez pas compte du taf qu'il fait. Il fait un taf de malade. Il fait vraiment un taf de malade. Franchement, en ce moment, vu comment la chaîne secondaire roule et tout, c'est clairement 100% Kero. Hein. Et il fait un taf de malade. Vraiment. Bon, du coup, nous, ça a bien poussé. On est d'accord, c'était ça, nous, le symbole, il me semble. Hein. Il me semble que c'était bien ça, le symbole. Et là, du coup, ça qui a bien. Qui a plutôt bien. Bien repoussé. Du coup, alors, de ce que j'ai noté. D'accord. De ce que j'ai noté, il y aura
usine à lave et usine à cactus. Mais cactus, attends, j'en ai des cactus ou pas? Je sais plus si j'ai des cactus. J'en ai deux. Mais est-ce que j'en ai pas d'autres ici? Si des gens veulent participer à l'event PVP, n'hésitez pas à me contacter. Oui, alors dans le chat, si jamais, regardez, il y a Diakarmas qui le dit. Si jamais vous voulez participer à son event PVP de mercredi, moi j'en ferai partie, donc n'hésitez pas à le contacter. On n'a pas d'autres cactus. Mais non. Comment j'ai eu le cactus? Je sais même plus comment est-ce qu'on a eu le cactus en vrai. Ce cactus là, vous vous rappelez comment on l'a eu ou pas? Il n'y a que deux. C'est quelqu'un qui me l'avait filé ou... Du cactus, j'en ai beaucoup, j'en ai plus un. Bah, en vrai, on verra soit pour me l'envoyer, soit de toute façon, avec deux, je peux démarrer une usine à cactus de toute façon. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on sera une île à cactus. Je sais pas où, honnêtement. Peut-être là-haut, là, je sais pas. Voilà. Genre, on continuera le chemin là, machin, une petite usine à cactus. Et puis, il faut qu'on fasse effectivement une usine à... une île à lave. Donc ça, on fera ça la prochaine fois, je pense. Voilà. Ah, dans les shulkers, peut-être dans les shulkers, ouais, attends. Elles sont où les shulkers? Voilà. Le boss. Le boss, le boss, le boss. Effectivement, les deux shulkers qui carry tout. Ok. Bah parfait. Gisfano a mis un 42 sur 20 pour notre île. C'est ça. Ah ouais, non, mais c'était n'importe quoi votre île. C'était n'importe quoi votre île, j'avoue que là, voilà. Bref, écoutez, c'était plutôt sympathique. Franchement, c'était cool, j'ai trouvé. Cette petite soirée, j'avoue, je suis un peu fatigué. Je pense que ça se voit, mais j'ai bien kiffé. Franchement, on en refera. Je le dis, on en refera. Je pense qu'on peut se donner rendez-vous. Déjà, ce sera dans un mois et demi à peu près. On essaiera de refaire ça durant la période d'Halloween. Et comment ça, je fais que dormir? Non, t'inquiète. Des bisous, Kero. Rendors-toi. C'est faux, on rigole, on t'a charrié. Et on t'a rendu hommage sur notre île. Mais je pense qu'on fera ça vers la période d'Halloween. Donc en vrai, s'il y a une direction à prendre, bon, je pense que pas tout le monde va la suivre. Mais dans tous les cas, les îles auront bien step up d'ici là. Ça fera dans un mois et demi, quoi. Je pense qu'on essaiera de faire ça un peu avant Halloween, donc aux alentours du 20-25. Donc les îles auront bien step up. Donc on refera un world tour comme ça. Donc là, je le dis aussi pour la rediff et tout. On refera un world tour. Et pourquoi pas essayer de faire une déco un peu Halloween avec des petites citrouilles, des machins. Ça peut ne pas être grand chose, mais voilà. Je fais grève, c'est faux. Mais je pense que ça peut être vraiment très cool. Donc voilà, donc si jamais tous ceux à qui j'ai mis, je vais leur mettre d'ailleurs, merci à tous, je leur mets dans le Discord, on se refait ça fin octobre, déco Halloween obligatoire, voilà, ça au moins ceux qui éventuellement ont remis le truc aussi savent. Donc vraiment n'hésitez pas à join le Discord et tout, ça peut être utile pour ça, très clairement. Et puis voilà, et puis d'ici là peut-être qu'il y en a d'autres qui voudront venir et tout, mais j'ai trouvé que c'était une bonne soirée, ça changeait un peu justement de juste build nos îles. Et je vous dis, il y aura deux lives là dans la semaine probablement, il y en aura un, ce sera du coup mercredi où il y aura son event PVP, mais il a dit que ce sera pas très long, donc peut-être qu'on buildera un peu. Et il y en aura un autre aussi, enfin je vous dis il y en aura deux, c'est pas sûr, il y en aura peut-être qu'un et peut-être qu'on se rattrape, parce qu'il faut toujours qu'on rattrape celui des vacances, mais peut-être qu'on le fera à un moment où je serai plus dispo. Parce que là, je suis pas trop dispo dans la semaine non plus, vu que je pars en convention en fin de semaine. Donc, il n'y en aura peut-être qu'un, en réalité, on verra. Je sais pas encore. Mais dans tous les cas, on rattrapera ce live qu'on a en retard. Ne vous inquiétez pas. On le rattrapera à un moment donné. Je sais pas encore quand ce sera, mais voilà. Et puis, les autres moments de la semaine, de toute façon, on va faire d'autres lives et tout, ça va être sympa. Je sais pas s'il y aura un live demain ou si ce sera repos. Parce que du coup, de base, ça devait être repos ce week-end, mais finalement, on a live. Donc, peut-être que ce sera un repos demain. On verra. Bref, merci beaucoup d'être venu tout le monde. Passez une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain ou mardi pour des streams. On se voit ce week-end en convention pour ceux qui viennent. Et puis, une nouvelle vidéo sur la chaîne
mercredi, normalement, ou avant, si on atteint les 10 000 likes sur la dernière vidéo. Allez voir la dernière vidéo, elle est très cool. Et voilà. Bref, je vous fais des bisous. Portez-vous bien, tout le monde. Bonne soirée à tous. À demain. Ciao, ciao.